Excellence, la première dame, délégation qui accompagne le président, sénateur Foucan, elected official, thank you for coming. Communauté, je dis à démontrer que pas de petit en dedans, pas de petit dehors. Nous tous sommes seulement Manougain qui est là. Haïti. Un bon engagement, je dis, pour me dire publiquement. Nous sommes diplomates de carrière, même j'ai avec ministre. Nous travaillons avec le président. Nous rencontrons l'ancien président, nous rencontrons candidats, mais je ne veux dire qu'on capable de dire, nous avons président, tête droite, qu'on est capable de garder la lumière. Ce tunnel. Excellence, mon Dieu, soit fier autant d'eau. Je vais prendre le temps, je passe au Florent Jean-Audi en anglais pour venir dire l'autre bagaille pour gagner Nadia Koutou pour le peuple. Merci, merci, asseyez-vous. Première dame qui est ensemble avec nous, ministre des Affaires étrangères, ministre des Finances, ministre de la Santé publique, gouverneur de la Banque centrale, nous allons vous faire un petit camp, vous avancer pour le monde Spring Valley, le monde de la diaspora, pour monter pour pour commencer à comprendre où est qui est ce qu'a dirigé. C'est ambassadeur des Nations Unies. Oui. C'est ministre ministre santé publique pays d'Haïti. Ministre finance pays. Ministre affaires étrangères pays d'Haïti. Gouverneur Banque Centrale avait dit monsieur Kobiomé ou deux monsieur. Hein? Et c'est ambassadeur nous dans les Nations Unies, ambassadeur Denis Régis. Nous tiens à ce que me fait remonter pour nous comprendre que le président a fait ça nous soutenir là. Et il peut recevoir Kob dans mes amis. Nous devons faire nous comprendre que. Gen moun, j'en nous t'ai entendu pendant la campagne, m'te dit gen bois d'air bonan, moi c'est madame. Et mais gen bois d'air bonan, président ça a tout, c'est équipe ça. Moun ça yo, qui kouè dans ça que nous avons fait. Et Jean Sénateur Foucan, je dis, ça nous saute, c'est un petit crasse. Tout ça nous fait dans le pays déjà. M'a demandé nous, donc à reprendre place, nous merci. Je salue le sénateur Foucan, qui l'a député Caleb Deramo. Il a dans sa salle avec nous. Je comprends que le tabac est un pile de travail qui a fait. Alors, monsieur, vient dans la diaspora pour venir peut-être faire nous connaître mon tabac. Qui volume de travail, je connais 15 km de rue qui est en train de faire déjà, que mairie tabac et les mêmes députés a encouragé ça en pile, qui a fait dans la commune. Ça. Moi, t'as regardé ensemble avec nos vidéos. Ça veut dire, même j'en ai dit, waouh là, pas oublié dans tout pays, nous sommes tous côtés avec votre là, t-shirt, mis ou un pantalon. Monsieur, mais t'as regardé même Jacques, nous. Même Jacques, nous, pour me dire, mais comment dans 19 mois, mon président fait tout le travail ça, et puis je vous dis, c'est un coup, nous comprenons qu'on quantité de monde qui dit que président ça, nous avons un problème avec lui, c'est une quantité de monde pour nous comprendre. Nous ne voulons pas aller de statu quo.
expérience moi dans ça vient faire me comprendre que corruption c'est plus gros gangrène. C'est plus gros. C'est comme un cancer corruption. Ça veut dire décider de travailler pour faire 4000 km route dans un pays parce que c'est ça m'a tête moi comme objectif. Mais on va arriver faire pendant 5 ans. L'autre président qui va venir mais l'a joindre pour le continuer. Mais moi-même, pendant ma parole, dans le pays d'Haïti, il y a 1500 km de route en construction à travers tout le pays. 1500 km. Mais pour l'arrivée faite, ce n'est pas, peut-être j'en entendais, ce n'est pas une planification, qui pas une stratégie, qui pas un programme, un projet bien ficelé pour le fait. D'ailleurs, pour une route qui a fait dans tout le pays, depuis nous monter 7 février, nous avons un plan pour équiper 10 directions départementales ministère des Travaux publics. Et vous ne pas oublier, nous comptons le ministère des Travaux publics. Enfin, que moi-même, mon arrivé président, c'est un ministère qui est en cours, qui est en fait un job pour le monde. Mais, depuis le moi-même, mon président, nous prenons une décision, nous disons équiper le ministère. Ça te prend nous 3 mois de travail. Banque centrale, ministère finances, et nous achetons 123 millions de dollars d'équipement. Mais ça a parti ça pour comprendre bien, pour nous comprendre comment que tout travail sur nous a fait là. Parce qu'il faut déposer cette question. Côté équipement, ça a été. Là, nous faisons déraper. On direction le ministère de la République qui est le CNU, que nous connaissons, pas vrai? Nous jouons 10 équipements qui ont marché là-dedans. Nous prenons une décision. Nous demandons au Premier ministre qui était là pour le démêler pour réparer une quantité d'équipements dans le CNU. Nous arrivons à réparer 350 équipements et nous déraper pour la première partie des travaux qui ont commencé à partir du mois mai 2017. Là. Mais pendant que nous commençons à travailler, nous. Chita nous planifier achat équipement pour toute direction départementale. Jodia, il y a 594 équipements tout neuf à travers tout le pays. Mais qui acheté, il faut bien entendre, parce que l'expérience qui est faite. Nous acheter équipement en Haïti, vient faire nous que nous pas qu'à acheter équipement même gens encore. Par exemple, pour acheter équipement, et puis 2 mois après, ou elle n'a route l'empanne, et puis l'argent de l'État. Cap gaspillé. Équipement acheté avec garantie sous réparation à entretien sous 12 000 heures ou bien 4 ans. Ça veut dire de février 2017, l'équipement a commencé à travailler, jusqu'à février 2021, l'État haïtien a gagné 5 ans pour dépenser dans réparer l'équipement. Et leur équipement est en panne. Dans le contrat, on dit ça. Parce que le contrat, on a dit nous, à partir du budget 2018-2019, là, moi, parler avec le Premier ministre, je connais que dans le Conseil gouvernemental, il a passé instruction ça. Je voulais parler de nouveau Premier ministre, Premier ministre Jean-Henri Seyan, que je salue, qui a regardé dans la caméra là. M'a dit pour que en dedans budget. Tout contrat que l'État passe fait au public, ça veut dire faut tout peuple là qui en temps réel tout contrat l'État passe. Pas rien à faire contrat en bas de tabanco, ça finit dans le pays d'Haïti. Ça veut dire contrat passé, mettez-le, parce que il y a une institution qui relève Commission nationale des marchés publics, CNMP, qui c'est lui-même qui est là pour passer contrat pour l'État. Contrat, c'est pour y aller sous Commission nationale marché public sur site internet li, pour tout le monde qui besoin de contrat que l'État haïtien passe avec un monde ou aller ou aller vérifier pour qui bon travail la fait ou même citoyen ou rien doit demander au monde Haïti de regarder moi tel contrat qui a fait tel côté alphontivis dit pour moi. Et puis le conseil nous même nous font critique constructive qui permettent que le gouvernement que l'État travaille plus bien pour nous. C'est ça moi-même moi vini, c'est lui-même vini faire. Et c'est lui-même qui fait que jodi nous avons
pile, parle en pile. Par exemple, t'es qu'on a fait chèque zombie en Haïti. Nous qu'on baise ça, chèque zombie. Nous on est. Ah bon? Eh bien, dans 19 mois, moi arrivé, mettez sous côté 23 000 chèques zombies dans le pays. 23 000. Nous sommes gardés des résultats que nous débattons. Mais aujourd'hui, nous commençons à parler, nous avons commencé à parler de vérité. Parce que le démon qui campait pour faire face à Jean, peut-être consul Gandhi sous deal, nous parlons tout droit. Nous pouvons aller droit au but. Ça veut dire côté nous pouvons aller, nous pouvons aller dans la bataille contre sous-développement, nous pouvons aller dans la bataille contre misère, nous pouvons aller contre la bataille contre corruption. Parce qu'on ne paye pas qu'à camper pour gagner 23 000 chèques dans l'État qui émettent, et puis l'on cherche à mettre chèque yo, ou pas à mettre yo. C'est un coup, comme nous, t'étons des zombies qui te votent, moi, nous t'étons des bazar. Quand il y a chèque, ça, c'est chèque zombie. Chèque yo, c'est des boîtes de chèques. Ok? Qui, comment yo te qu'on fait longtemps, gomba yo relé. Faut nous tenir, mon Dieu, double endossement. Ça veut dire, chèque là, il met sous nom. On est que signé derrière d'eau, et puis votre monde change le bout. Et même éliminer ça, pas un double endossement encore. Depuis qu'on chèque qui est mettre sous nom, c'est ou même personnellement qui va changer le chèque. Ça veut dire, qu'on série de gros barons en Haïti, il n'y a pas un chèque, non? Il y a un lot chèque. Et puis chaque mois, qu'elle change son nom, qu'elle change pour yo. Et puis yo pote sac comme là-bas, la caille. Mais comment pays ya? Là, nous, c'est pas c'est faut nous poser nos questions. Quand le président ça a joué tout moyen ça, pour tout travail soit fait, pour moun dans l'étape touché, ça veut dire que tu as un problème avant. Eh bien, c'est parce que, pas oublier, nous sommes entrepreneurs. Nous sommes entrepreneurs dans l'âme, mais un ami là qu'on est depuis qu'il est. Dans l'université, côté MDE, je dis nous ça, c'est moi qui t'ai payé l'école, moi, avec banane que je me dégonne. Ça veut dire, bah. Moi, je me fouille, zone en Galalou. L'homme monte comme président, me dit, faut mal garder. Ça est loin, j'ai fait pour me comprendre l'État bien. Et nous comprenons l'État, et faut me dire nous ça, ça a un petit problème technique. Il y a un pile de monde qui a un petit problème avec le président. Par exemple, moi j'ai eu de gros contrats qui sont clairs, peuple qui a gardé là dans la caméra. Dans le monde entier, il faut nous comprendre qu'il y a un gros problème dans le pays. Je dis, comment pour un pays, pour un groupe de monde, qui décide de dire que l'État a tout coproduit presque 40 à 50% dans le COP, ça pour me dire plus que 50% c'est pour moi lié. Ça veut dire qu'il y a des contrats passés, il y a des gens là qui ont des garanties. Donc ça veut dire, je vais m'expliquer non bien pour nous comprendre. Ça veut dire, on fait un contrat et puis on a une lettre de crédit pour 15 ans. Ça veut dire, on a une lettre de crédit irrévocable. 15 ans, ça veut dire qu'il y a 15 ans chaque mois depuis le gouverneur dit, depuis un mois, il veut pas payer. Depuis un mois, l'État pas payé, il sort de la Banque centrale payé. Mon groupe dans le pays en Haïti, c'est comme ça qu'il vivre. Et nous, qui monte en comme ça, environ 10 millions de dollars chaque mois. Jodi a fon parler pour nous commencer à comprendre qui est-ce qui l'aide minu. Si moi même côté me jodi a, moi jodi a calé de minute. Hein? Cap fait tout effort ça et puis jodi a moi l'aide minu. C'est parce que me vinn mettre bagage ça yo en question jodi a. Non météo, non remettre en question. Pays a ka bouler sous moi. Parce qu'on ne va pas oublier, l'on est bien. Nous comprenons ça, oui. Nous comprenons 10 millions. Nos petits pays de quoi, Haïti? Chaque mois, avait dit, on n'a pas même besoin de millions pour le gaz du pays.
et puis il y a 10 dans même chaque mois. Avec tout ça qui pas capable. C'est pour me dire nous que aujourd'hui on veut pour nous comprendre bien nous-mêmes qui vivons à l'étranger. Dans qui gros bataille que pouvoir nous sortir de moi. On a pile dans nous qui était les familles nous, amis nous pour voter pour moi. En Haïti, viens nous te voir comme nous pour faire campagne moi. Et c'est ça que fait aujourd'hui. Moi prendre décision, moi dis nous ça. Pouvoir ça que nous ban moi, m'pa gen youn nan nous que m'a fait honte pour lui, m'a fait travail que nous te voyer me faire. Mais si m'ba un accompagnement nous. Accompagnement nous n'a pas la famille nous, n'a pas la zami nous. Pour nous dire aujourd'hui, par exemple, nouveau premier ministre fait nommé là. Que me dire que mes routes là, le décide pour faire route là ensemble avec moi. Me dit le premier problème ou gagne. Je pense que c'est les miens et tout. M'a dit li pral gagne non, ça fait zami. Parce que me dit dans tout discours, un président qui se respecte ne doit pas avoir d'amis. Un président qui se respecte ne peut pas avoir d'amis. Parce que il y a des gros intérêts depuis sérieux dans zone ça où on aller. C'est un coup c'est dans l'enfer qu'on rentre tout vivant. Et puis il y a la situation côté nous aujourd'hui. Dis-moi qui paye sous la tête qui a parlé de développement sans courant. Dis-moi qui paye sous la tête qui a parlé de développement sans de l'eau pour moun boire, sans de l'eau pour moun ouze jardin. Dis-moi qui paye sous la tête qui a parlé de développement sans route. Dis-moi qui est, dis-moi qui côté pays ça est. Nous avons mal là-dedans. Et pourtant, en Haïti, nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de courant dans le pays. Et puis, pour le président, pour camper, pour ça, pour pas dire, l'offre fin de deal pour dire, m'a résoudre. Et l'homme dit, après résoudre l'IA, obligé à attaquer, problème, j'en ai qu'on fait, par exemple, route. Yo. L'État haïtien a qu'on paye un kilomètre route entre 1,5 million de dollars et 2,5 millions par kilomètre. Mais nous voyons quoi, puis encore. Je dis, on a construit un kilomètre route à 200 000 dollars. Nous ne gagnons pas comme ça pour nous bailler un contrat de millions. C'est même j'entends que route Kai Jérémy, il y a mon Jérémy là. Route Kai qui sorti Jérémy hein, depuis 2008, route l'a fait. Route l'a coûté l'État haïtien 3 millions de dollars chaque kilomètre. Ça veut dire 300 millions de dollars pour 100 kilomètres route faite. Il fait 10 ans, il va jamais fait, c'est pendant que je monte là. Dans le monde, l'offre aller vers Jérémy, l'offre finit quitter l'aéroport au Kai là. Nan mon pour aller et m'a parlé mon camp campérien moi gen ta asphalte 5 km la donne kon ya nous asphalte entre Kafou Bak la et puis gen compagnie Estrea qui sur reste route là k'ap fait 15 km qui rete a mais après 10 ans est-ce que nous ka camper pour 100 km route on peut besoin 4000 km route pour faire 10 ans dans 100 km ça dit nous toute là net a mourir moun nous pa jamais route dans pays. C'est pour ça nous employons stratégie que nous employons que les caravanes de changement. Chaque direction départementale, parce que pas oublier, nous avons 10 départements dans le pays, pas vrai? Chaque direction départementale, il y a un équipement par eux. Il y a tout équipement, tout ça nous sommes là. Chaque direction départementale dans le pays, il y a par eux. Et nous disons chaque directeur départemental, il y a pour faire 100 km route chaque année. Chaque directeur. Avec dit, on directeur même sous on a dormi quitté 7 février 2019 rivé. De pour pas 100 km pour là, c'est pour pas comment on fort pas faire. Parce qu'on est ingénieur ou à l'école, ou étudier, ou à toucher l'argent l'État, il y a bon équipement neuf ou rien gaz, c'est pour dire qui problème ou rien faut pas faire 100 km là. Parce que nous-mêmes il y a deux gros usines asphalte, peut-être, nous, les sénateurs, nous, les usines, nous, nous, montrer là, parce que nous, l'autre bail, nous, avons l'autre petit problème technique. Nous connaissons le monde du président, mais nous n'avons pas qu'une usine, nous n'avons pas qu'un équipement que l'État a acheté. Gros bagage, tout neuf, embarragé. Et puis, il y a une usine que nous montons dans le Campérin, qui est une grosse usine qui fait asphalte, qui asphalte toute route, nous, dans le studio, Ville Jérémy. Capable asphalte, qu'on y a, qu'on a travaillé, qu'on a campé parce que tu as un problème sur route
Jérémy Leziwa, yo tal ba un coup de main pour tourner dans la ville d'ici peut-être 2 semaines. Et toute route nous a capable asphalter dans le sud, la ville au Kaïki asphalté, route capable asphalter pour arriver du 6 là, Kounia, c'est usine l'État. Dans Cambérin, c'est pour l'État usine ça. Ça veut dire, l'homme pour nous acheter asphalte pour usine ça. Problème que nous avons acheté, asphalte là, bon, m'expliquez-nous bien. Asphalte là que nous voyons, c'est son béton que lié. C'est ça le long béton bitumineux. Mais, parce qu'il y a deux types de béton, il y a béton hydraulique, c'est ça qu'on fait avec ciment, l'autre béton, on fait la asphalte. Nous sommes ingénieurs dans ça là. Ça veut dire, béton ça, près de 95% béton ça, matière première, c'est dans la rivière qui est venue à Haïti. Et puis asphalte là, et bitume là, liquide là, représente 5% seulement. Nous avons liquide ça. En janvier 2018, son résolution m'oblige à prendre conseil des ministres. Depuis ce côté gouvernemental de acheter asphalte, il a bloqué. En janvier, il me dit, bon, ok, bon, nous n'avons pas de problème. Comme moi, asphalte, là, nous sommes dans tout le pays, il n'y a pas de problème. Nous prenons résolution en conseil des ministres, tout ministre nous dit dorénavant des points asphalte dans le pays. C'est l'État seulement qui doit commander asphalte. Et puis même côté à grand asphalte qui arrive, bao! C'est les projets sous lui. Asphalte là-bas sont moins basés. Même nous connaissons, service d'intelligence, ma renseignement pas ma marché. Chaque jour, une bonne nouvelle. Gros démarche à fait contre ministre finance. Gros dernier démarche qui fait ministre finance en digade. Sous besoin. Asphalte là, mon frère, à l'côté premier ministre. Je dis non, grand là. Non, à l'côté premier ministre déjà. Je dis mon cher, à l'côté président. Je dis non, pas parler mal. Après 42 jours, qu'asphalte là bloqué. Moi, mon ami, on nous compte pas. Pas pour dire président, mon cher, bon problème, parce que mon contrat, qu'on compagnie là. Il n'y a pas fonctionné parce que l'asphalte est bloqué, mais l'aide que l'écrit, que l'État ici a pénalisé. Je me dis pénaliser l'État pour qui ça? Je me dis non, l'État a bloqué l'asphalte. Je me dis qu'il y a l'asphalte qui est commandé. Je me dis pour facture à moi. Facture avec 8 jours, je ne vais pas arriver à une jeune. Parce que maintenant d'acheter l'asphalte depuis 8 mois, je vais jouer. Il faut moi qui vais le sortir. Ce n'est pas sous masse ou bien sous. Non, non, la lune, l'asphalte la sortir. Quand vous portez facture, asphalte que l'État, femme dit nous, pour nous comprendre que nous devons acheter peut-être 200 000 gallons à $3.85 par gallon. 200 000 gallons, ça veut dire même asphalte ça, moi je suis facturé à mon nom, il a acheté la $1.27. Ça veut dire mon nom fait $2.50, $2.48 sur chaque gallon asphalte. Ça veut dire l'État qui besoin 1 million gallons asphalte par mois. Ça t'a fait, c'est 2.48 multiplié par 1 million, ça fait $2.480.000 que nous faisons chaque mois. Pas vrai? Mais problème, pays. Ça dit, moun sa kounya, ou décide ou dit, mon chef, mon camp, pas qu'à faire comme ça. Faut l'État, je suis entendu à président, bon pour moi. Mais problème, pays. Mais pour nous comprendre, bâtir ça très bien, parce que je vous dis, après le résultat que nous avons, il faut commencer à parler. Parce que Jean-Balaïa, il est grave en pile. Problème de monopole, problème de surfacturation, problème de trafic d'influence, lutte d'intérêt, il est grave en pile dans l'État. Moi, je voulais faire parler ça avec nous sous Jean, nous est que l'État aujourd'hui. Problème que nous avons pour nous arriver à mettre au service du peuple à tout bon vous. Nous sommes gardés dans une vidéo 30 minutes là, dans la vallée de la Tibonite. Nous tendons sur les réseaux sociaux, pas grand-chose à faire dans la vallée. Et pourtant, la vallée de la Tibonite, là nous arrivons en mai 2017, nous construisons. Plus passer 242 km entre route et protection berge. Il y a des gens qui sont dans la vallée. Ça veut dire que lorsqu'on nettoie un canal, il faut faire berge, il faut faire route sur le côté berge.
Nous travaillons, nous mettons 12 coopératives, coopératives là qui s'allient parce que nous avons un valet, nous avons un quartier, ça veut dire 2500 mètres carrés, et puis nous travaillons pour compte. Nous faisons toutes mes têtes ensemble. Chaque ton bloc réunit 500 hectares, nous disons, nous subventionnons 5 tracteurs agricoles. Ça veut dire l'État, bon, 5 tracteurs pour laboratoire. Et l'État subventionné, ou sous tant de monsieur, je dis ça là, tout en grès, parce que en grès, l'État subventionné pour le vendre 850 gouttes, gonseille de gros nègres. C'est pas mon valet, non? Qui au même si vous cachez, c'est eux qui prennent en grès dans l'État. Et puis, il y a le malheur, il y a. À 1500 gouttes. Elle dit sous chaque sac en grain, elle fait 650 gouttes. Et ce n'est pas un sac, ce n'est pas 1000 sacs, ce n'est pas 10 000 sacs, non. C'est plusieurs centaines de milliers de sacs. Nous voyons comment on a fait, non, c'est les récoltes. Parce qu'elle est bien comme ministre. Si pas un monde qui a fouillé bouche dans le bagage, pour le monde, moi-même, les oubliés de la République. Le monde, que tout le monde oublie net. Pas mon monde qui cherchait pour protéger. On voulait parler de maman nous, grand nous, papa nous, grand papa nous. C'est pas mon monde aujourd'hui qui décide qui dit pour protéger. Nous pas même cap rêver développement. Allez vous pouvez parler de lui. C'est pour ça nous valer. Hein? Non seulement mon sur nous bail tracteur, depuis vous mettez tout ou créer une coopérative légalement ou une coopérative agricole qui a 500 hectares. Par exemple, bloc, ça nous saute garder à la, qui c'est bloc 6, il y a 1700 moun qui mettent tête ensemble. 1700. Nous avons 5 tracteurs, nous avons le pour récolter du riz en tout. L'État a 2 machines pour récolter du riz. Nous avons machines pour récolter du riz. Faut me parler, nous deux. Tout. Gonzan, il me dit, nous avons fait un monde dans le bloc 6, c'est une surprise parce que moi, ouais, que une belle production, une belle productivité dans la quantité du que rapport que nous avons fait. Je dis, monsieur, dit, ma président, machine, c'est une machine qui coûte cher en pile. Je dis, qui coûte cher, qui peut coûter comme ça? Monsieur, dit, 300 000 dollars chaque. Ça veut dire, deux machines, non, t'as pour 600 000 dollars. Je dis, bon, comme moi, même pas avec Internet fait pour tout le monde, je dis, monsieur, pour tes modèles là, moi. Avant mal dormi, alors habitude là, si je dors avant, première dame, nous toujours sous près de pied pour le barrer. Et puis, ma font une recherche sur Internet là, parce que monsieur, vous voyez, papi, avant, moi, je regarde moi, machine, même modèle là. Monsieur dit, non, mais machine, j'ai sur Japon pour aller chercher le président. Et puis, moi, même modèle là, je cherche dans toute Caraïbe là, qui dit, le gain, moi, République Dominicaine, il y a machine là. Nous, on qui peut machine là, République Dominicaine. L'écoutez. 46 000 dollars. Ça veut dire, monsieur devait 600 000 dollars pour deux machines, m'acheter deux machines pour 92 000 dollars. Machine, ça, on voit là, tu as coupé du verre. Mais, quelle situation pays a là? Ça veut dire, vous obligez, j'ai éclairé la journée, qu'on l'ennuie, toi, avec vous. C'est pour me dire nous ba yo grave en pile dans affaire sur facturation dans le pays. Maintenant leur machine comme ça coûtait 46 000 dollars, ça veut dire coûter plus ou moins 3 millions gouttes. C'est normal les subventions ministère de l'agriculture baille pour nous travailler pour que chaque bloc yo nous capable travailler pour chaque terre pour récolter, mais depuis récolte yo il méritait ça. À ce moment-là, nous subventionnons des machines comme ça. Mais si c'était 300 000 dollars chaque thé, nous ne sommes pas capables. Quand nous avons 600 000 dollars pour nous subventionner des machines chaque côté. C'est pour me dire que des tracteurs en pile, les gens qui a parlé de ça qui passe à eux en pile, c'est même un tracteur agricole qui est dans la vallée. Pour un tracteur agricole, l'homme fait criver 45 000 dollars. Avec équipement qui accessoire pour faire le marché. Tracteur agricole que nous-mêmes qui connaît la province, qui connaît là, c'est ça qui laboure terre, là nous en vont planter. Moi, arrivé, moi, je dis bon, pour qui ça, que a fait tracteur agricole ça, il y a un monopole là-dedans.
C'est pour éclater machine avec tout le monde intégré. Que toi l'autre concessionnaire vient décider de vendre tracteur. Tracteur agricole là sont dans 45 000, je dis à lui vendre entre 20 et 20 000, 25 000. Ça piche à 30 000. Et pas oublier, pays a besoin de 3 000 comme ça. Ça veut dire, ouais, si vous achetez la 25 000, moins 45, fait 20 000 multiplié par 3 000, là, ouais, qu'on quantité comme que l'État les casse. Bagala la grave. En pile. Mais nous-mêmes, mais j'en ai toujours dit, force qu'en face nous, tout, il n'y a pas pitié. Et ça me dit, nous, ça n'a pas fait aujourd'hui. Ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons le well, qui pouvons le jouer de lui. C'est même j'entends que le Jean-Jacques Dessalines de prend une décision. L'ITEA fait réforme agraire dans le sud. Et le Laptounel dit, et nos frères, dont leurs pères sont en Afrique, ils n'ont donc rien. Et quelques jours après, ils ont assassiné M. Pont Rouge en 1806. Et en deux pays, 70 ans après, ils n'ont pas de calomé dans Dessalines. Ils n'ont pas de bonne indépendance. Nous te connaissons, nous te connaissons que nos Dessalines viennent l'homme dans le pays d'Haïti en 1876 après qu'ils ont assassiné. Il y a 70 ans pour pas de calomé. Et pourtant, c'est monsieur qui est bon dans l'indépendance. C'est pour ça que je dis à Mabdi, nous n'avons un cas extrêmement difficile dans le pays. Il faut nous comprendre les gens. Fait propagande qui cita sur le mensonge avec la méfiance pour mener nous des côtés. Parce que faut ne pas oublier, propagande sont sciences liées, même avec toute science. Moun nan ka ranger bagala tellement bien, et puis il faut ou diaboliser moun bokotolo, raïr moun bokotolo, tuer moun bokotolo. Là, c'est à profit de faire crime. Non, nous continuons de dire, oui, ça me fait là. Et c'est pour ça. C'est pour ça que je dis nous, là nous sommes gardés programmes, ça par exemple, électricité, 24 sur 24 que nous avons parlé. Nous tendez, c'est électricité 24 sur 24, là c'est le bon nom. Président Jovenel menteur, président Jovenel bluffé, parce que nous avons le courant 24 sur 24. Quand on voit le président ça a fait bail comme ça, son président qui a offert nous sous masse, si nous avons dit qu'il met le courant 24 sur 24. Bon groupe monde qui fait nous suspendre rêver. Comment pour un peuple pour vivre, pour suspendre rêver? Mais pour suspendre rêver, suspendre vivre. Longueur rêve, c'est longueur que vous voulez. Yes. Qui côté me sortir me rêver là si je ne pas de rêver grand? Mes amis d'enfance, moi qui suis là, des nègres de l'événement, même quand j'ai avec eux, je joue football avec eux, qu'on disciple de classe, moi, qui là, dans salle là. Mais, je dis, je songe dans le nord-ouest, l'homme prend décision en 2000. Je dis, je vais construire une usine qui coûtait 2 millions de dollars. Et puis, mon ami qui était avec moi, qui était sur la même table, je suis tombé, oui, je suis allé. Et puis, l'homme, plus tard, on est, nous, jeune petit garçon, et puis, je passe dans le bas de la match, et puis, l'homme arrive, moi, tout le monde, l'homme regarde, et puis, l'homme plonge le doigt sur moi. Et puis, il y a un homme qui me dit, monsieur, ça passe. Je dis, mon cher, c'est fou, il y a tout fou. Je dis, monsieur, ça. Ça passe. Passé, j'ai dit négro dit qu'on va construire une usine 2 millions de dollars. L'argent m'est en joint prêté, Sophie Dès qui est en financer usine Mac tout FDI. M'est en prêté 1 500 000 dollars. Mon connait. Ah, il s'embab le courir dit négro ba la net pour baraim. Comme moi est approuvé, m'est en comme moi prêté. Et puis pour négro c'est bon bail normal m'a dit. Et puis me construire une usine dans nord-ouest qui jusqu'à présent 85% marché de l'autre été, c'est tout le monde là qui compte jouer, Macron Aubert, et mon nord-ouest qui là. C'est nous-mêmes qui produisons. C'est-à-dire, depuis 2000-2001, nous inaugurons. Nous finissons de payer. Nous avons les derniers bons usines. Alors, madame, moi, toujours, je me souviens ça. Et le 28 décembre, le résultat, deuxième tour élection que nous avons gagné. Deuxième élection, pas deuxième tour. Résultat, c'est 28, il n'y a pas bail. Et puis, je vois, c'est certificat que vous portez pour moi. Après 15 ans, nous finissons de payer l'usine. Nous payons le dernier bon. Nous avons monté en 403 000 gouttes. Ça veut dire, je vous dis à Nbadoué, et
valeur usine dans la déclaration patrimoine, je vais garder. Je vais parler de déclaration patrimoine, je vais tout dire, Premier ministre. Il faut que tout ministre faut assurer que la déclaration patrimoine est faite. Parce qu'il faut qu'on acquitte bien pour entrer, pour qu'on ait l'OAP sorti, acquitte bien pour sortir. Parce que l'État pas qu'à un sous côté pour tout le monde vienne comprendre où dormir pour vous lever riche. C'est l'État là lui-même pour le servir. Peuple haïtien, tout l'argent de l'État, c'est pour le peuple à vous lier. Alors c'est ça m'a dit nous que rêve pour nous donner pour me dire nous que rêve vous parfois. Même zami qui puis proche ou à qu'on ne va pas partager la voix. Ça dépend de gros seul, ça dépend de comment ou elle. Et c'est même j'en l'aime dit, m'a mis de courant 24 sur 24 là. M'a gagné d'ici le mois d'octobre, disons mois novembre, dans même salle ça, m'a tout invité nous, m'a demandé directeur Anasea pour venir faire présentation pour nous, pour nous venir ouais. Courant 24 sur 24 là, m'dia pour nous comment m'a fait. Et là, comment m'a fait, comment j'ai fait. C'est pas. Il y a 14 communes dans le pays qui ont été courant 24 sur 24. Ça veut dire, sous 146, je connais un ami, il a fait de bon de paix. Mais sous 146, mais il faut pas oublier, c'est 146 communes qui ont été. Il y a 14 qui ont été courant. Mais nous dit qu'on a mis le courant 24 sur 24 dans le pays. Et puis tout le monde estime que ce n'est pas possible. Même si nous-mêmes, je dis, courant 24 sur 24 là, il y a trois phases. Il y a un courant qui est dans la zone rurale. C'est ça que nous sommes dans le monde. Que au bar des monde qui vivent loin yo, ça veut dire qu'il pas une possibilité pour gagner réseau électrique. Pour nous comprendre ça réseau électrique là, gagne monde là qui pas technicien, ça veut dire c'est fil nous avec passé qui connecté on ca avec l'autre. Gagne des côtés dans pays ya caillot tellement loin yon l'autre pour pas mettre réseau électrique. Nous venons avec un programme qui relait caillot pas m'éclairer. Dans zone ça yo nous connaissons pas de compte avant programme non c'est après étudier me rendre compte nous connaissons 1,100,000 familles dans zone rurale dans pays d'Haïti nous connaissons ça sous 2 millions on dit 2,500,000 familles environ on parle de ménages plutôt 2,500,000 ménages c'est household en anglais qui gagne en Haïti gagne 2,100,000 qui vivent dans zone rurale qui est 2,200,000 qui vivent dans la grande ville, ça veut dire les 16 grandes villes d'Haïti. Vous voulez parler de Wanamet, Fort Liberté, Port de Paix, Zamien, Dila, Gonaïve, Saint-Marc, Rinche, Port-au-Prince et autres, Jacmel, Jérémy et autres. Et puis, il y a 200,000 qui vivent dans 90 autres petites communes qui viennent dans le pays. 200,000 ménages. Hein? Ça veut dire petites communes petites, comme les Ivoires, Tibiron, Ansdeno, Damari. Petites communes petites. Ça veut dire nous séparer le pays en trois. Nous avons électrification rurale. Nous avons besoin de 2,100,000 systèmes dans tout ça. Nous sommes contents, nous sommes contents dans la lumière. Mais chaque système, ça coûte l'État $83. Ça veut dire nous faisons un petit calcul pour nous besoin de 1,100,000 là-dedans. Ouais, combien de l'État a besoin? Presque 100 millions de dollars pour électrifier la zone rurale. Là. Et les mêmes plus gros problèmes que nous avons avec lui, c'est que zone ça, moun yo yo tellement gros revenus qui faible, nous pas demander ou payer nous. Ça veut dire nous obliger goumen pour nous bailler au système non? Et puis nous mettons l'autre mouvement ensuite pour nous, actuellement nous fait étude sur combien de gaz parce que pas oublier yo acheter kérosine pour allumer lampio, n'a regardé combien de gaz que acheter par mois. Pour nous, qui quantité quoi nous avons supporté pour payer nos systèmes qui les pay as you go. Mais tout ça, c'est des plateformes technologiques qui vont gagner un côté jeune. Bien, nous allons même faire des applications, ok, et à partir d'applications, ça qui permettent que moun ça, quel que soit côté moun naye, ça veut dire, les gens à partir de téléphone, ils payent pour elle. Ok, ça, c'est pour.
énergie rurale que nous souhaitons mounio, j'en aurais d'amener un contrat. Deuxième partie, c'est énergie semi-urbaine. Ça veut dire petite ville petite. Par exemple, les Iwa, nous, nèg qui sont à vendre bière, dit qu'on ferme une boutique à 8h, qu'on y a le ferme à 3h du matin. Ça, c'est énergie semi-urbaine. Côté gagné, des demandes qui moins qu'on mégawatt courant. Toute petite ville, ça, n'a pas électrifié. Actuellement, là, c'est en cascade qui a fait. Par exemple, Dondon actuellement, si vous avez un Dondon là, réseau électrique Dondon, l'a construit Kounia. Réseau électrique là. Parce que, pour nous clair, pour nous comprendre, pour l'État capable de permettre au secteur privé, parce que vine produit courant, faut l'État construire réseau. Il dit mini réseau, ça y est, on a construit Kounia. Pourquoi nous avons fait en ce dénot, on parle de réseau, c'est pas centrale énergie parce que nous faut nous clair tout que nous prioriser clean energy. On a parlé de solaire, éolienne, OK, biomasse, on a parlé de hydroélectrique. C'est même Jean nous les Iwa c'est éolienne. Li gagne c'est soleil et puis nous avons une banque de batterie, c'est des types de batterie lithium qui a duré 10 ans qui là et les Iwa va pas faire bouler gaz pour les Iwa l'humain. Ça veut dire que c'est le même système ça dans la ville petite. C'est lui-même que nous avons goumé pour ces yeux que nous mettons. Mais pour le faire, comment on a pas le fait? Bon appel d'offres, c'est ça l'on bid en anglais qui fait. Il y a 42 entreprises qui participent déjà. Ils ont présélectionné combien. Maintenant, moun sa yo pral produit courant mais pas oublier faut qu'on route côté pour le passer. Voilà où le réseau a. C'est pour ça l'État prend engagement l'a construire réseau dans toute petite ville. Maman Pemba maintenant. C'est gros zone yo. Jamais que je te parler de Port de Paix. Dernière fois réseau électrique Port de Paix a été gon passé mec fait là-dedans, c'est sous président Jean-Claude Duvalier. Ah ouais, m'blé pour nous ça. Jean-Claude Duvalier, dernière fois réseau électrique la ville de Port de Paix. Qu'on y a obligé de reconstruire réseau ville Port de Paix à net. Conseil de ville qui n'en casse pas, par exemple la ville de Wanamet, la ville de Port de Paix qui n'en casse pas. Faut reconstruire réseau net. Mais il y a des villes c'est réparer, n'a préparé réseau tant que ville Jérémy que réseau l'a préparé qu'on y a. La ville de Kay c'est réparer, n'a préparé réseau ville Jacmel et ou bien ville Saint-Marc, ville Gonaïve, réseau ça c'est réparer, a préparé parce que c'est des réseaux qui ont été construits peut-être et pendant 10 ou 15 dernières années. Mais deux villes ça particulièrement, la ville de Port de Paix et la ville de Wanamet, c'est reconstruire, n'a pas reconstruire réseau net parce que le réseau est trop ancien, il n'est pas bon même. Et nous comprenons ça veut dire pour construire un réseau dans ville, dans la ville de Port de Paix. Pour besoin entre 4 et 6 millions de dollars. Et tout ça, c'est l'État pour faire. Voilà troisième phase là, c'est l'imre les mamans Pemba. C'est les mêmes qu'on y a toutes gros villes ça. Plus zone métropolitaine là. Côté nous on est dans un petit bas, je vais t'expliquer nous sous affaire de 10 millions dans zone ça. Non. Bon. Ballon maintenant au cap là, mais faut ne pas oublier réseau au cap là. L'heure t'a installé centrale qui sous boulevard centrale 15 MW là réseau ça yoté retapé le net en 2008. Ça veut dire réseau cap la ville du Cap-Haïtien, c'est pour un réseau qui a un pile problème. Il y a un problème d'extension par exemple sous zone sous banlieue des zones d'un coup Fort Saint-Michel et des zones d'un coup Vaudreuil ou pas obligé faire extension réseau sous lui. Ça veut dire mais tout réseau ça on nous dit c'est ça nous les mamans Pemba c'est là qu'on parle d'un gros système électrique qui dépasse mégawatt par exemple au Cap Haïtien qu'on nous dit ville au Cap réseau ça pour fonctionner il besoin 40 mégawatt mais pas oublier c'est pas ville au Cap seulement les gars sous compte Limbé Akil du Nord Plaine du Nord Pomago Balimbé les gars sous compte Quartier Morin et Milotou ça veut dire le réseau cap la fin fête centrale qui va le monter au cap là pour l'alimenter parce que 7 ou 8 villes c'est même j'entends que réseau par exemple Gonaïve il y a 12 villes sous compte là même dit ça des villes qui étaient connectées déjà
tant que gros monde, tant que Henry, des villes tant que marchand de Saline, et ou rien et petite rivière de la Tibonite, ou grande Saline, Lester, Villa, des dunes, toute ville ça y a connecté déjà sur le réseau Gonaïve là. Ça dit l'homme mettre central là Gonaïve ou pas l'alimenter toute ville ça. Mais pour nous comprendre clair et m'a dit nous j'aime dit nous en fin mois d'octobre m'a demandé consulat parce que nous pas le faire on nous pas demander monde qui responsable ça pour venir projeter image pour nous pour venir garder en temps réel parce que qu'on y a communication ça n'a pas fait nous n'a font communication visuelle et de proximité. Bon, ça me bien contre la question. Hein? Bien contre la question parce que nous avons quatre îles adjacentes dans une grosse île dans le pays. Disons cinq, on a parlé de Gouska et tout. Nous avons la Gonave, île de la Tortue, nous avons l'île à Vache, nous avons les Caïmites. Bon, les Caïmites, pourquoi les Caïmites? Parce que nous avons Gouska et Caïmites, nous avons petite Caïmites, mais c'est Gouska et là, c'est les qui habitent. Fondi, bon, la Navas pas habité. Je n'ai pas parlé de Zile qui habite. Gros Sky qui habite. Ça veut dire, dans le programme électrification, on a parlé à zone ça, c'est des zones qui ont réseau que yo, voilà. Mais bon ami qui dit, par exemple, la Gonave vient deux communes. Ou bien en Sagale ou bien pour être prêt à la raquette. Bon. Nous y en Sagale, nous y en Pointe-à-Raquette, pas vrai? Premier bail qui arrive actuellement, nous sous île Ilavache. Et si y a moun ki moun Ilavache là, yo ka témoigner que route là n'a fait sorti aéroport Ilavache là pour arriver juste madame Bena. Et nous n'allons aller vers Kaikok avec route là. Kounia n'a fait. Ouais, équipement à Roumoun Gimoun Ilavache là. Équipement actuellement, yo sous île ça sous Ilavache pour finir construction route ça. Femme dit que pour l'autre île, yo, moi je vais parler de la Gonave qui est une plus grosse île qui est dans le pays, deuxième c'est l'île de la Tortue. Nous pas dit dans le programme énergie électrique là, il va la donner. Mais ce sont des zones hors réseau. Zone hors réseau, yo, une gestion que nous supposons faire de eux. Premièrement, côté qui est Kai qui est isolé, yo, nous pouvons le faire Kai pas m'clairé. Mais côté qui est agglomération, yo, tout, même mouvement nous avons fait dans la civil, les Iwa, toute notre civil, pour le même mouvement, ça n'y a pas de raquette ni en Sagale. Mais pour nous comprendre que sur 27 750 km2 d'Haïti, pas de côté qui pas bien courant la donne. Je voulais ça clair dans tout le monde. Moi bien signe que a fait moi là parce que c'est pour nous camper nous parler nous avons une nuit là nous avons 5 minutes qui étaient et faut nous parler de ville moi comprendre tout le monde qui était là mais attendez moi dis nous c'est 27 750 km² pays à gain pas vrai. Toute ville nous dit là en dans 27 750 km². Ça veut dire mon a parlé de Kafou faut pas oublier. Kafou c'est la caïmen, c'est la m'dérété. Ça veut dire m'pas comprendre comment on a parlé. Ça veut dire jodi a pas gien côté dans pays a. Nous pas goumen pour que le développement arrive. Mais ça me plaît pour nous comprendre, demander nous patience nous tout. Parce que si n'a demandé pour toute bagarre arriver ensemble. C'est difficile, il pas qu'à arriver ensemble. Tout côté. Ça veut dire, nous avons travaillé pour nous renforcer, et d'ailleurs nous commençons déjà, Premier ministre, moi qu'on est dernière communication que j'ai avec lui, il a travaillé sur des stratégies pour permettre zone rouge, parce que nous-mêmes en Haïti, nous n'avons pas fait des zones de non-droit. Toute zone, l'État qui est rentré là-dedans. Avec des zones, ça y est, Premier ministre, il y a des stratégies que l'a mettez, qui c'est lui-même qui chef CSPN, non? Pour que, et système sécurité a les renforcer dans des zones spécifiques côté qui y a problème dans coum dans Matissan si cité de Dieu dans zone AKR toute zone côté qui a problème actuellement.
Et pour la commune Grand Gouave, nous avons eu la chance de rencontrer le magistrat pour me dire bien que Grand Gouave, moi connais 5 km de caniveau qui fait déjà. Et moi bien content que vous renouvelez ça. Premier, ça m'a dit que nous allons faire. Et moi, ministre travaux publics, la garde de la tente de la. Et faut nous commencer à travailler avec député Grand Gouave, là, je voulais parler de député Luméran et Katel Meria. Et avec l'équipe que nous avons Grand Gouave, je voulais parler de madame Augusta Moïse, qui est dans Grand Gouave tout, pour travailler avec l'équipe la rapide pour asphaltage ville Grand Gouave là, commencer. Pour nous faire un signal clair, pour nous dire que ville Grand Gouave là, sont ville qui tout près pour Port-au-Prince. Ça veut dire tout le monde a parlé de tous côtés. Haïti, il y a 146 communes, monsieur le président, 146 communes. Haïti, il y a 572 sections communales, monsieur le président, 572 sections communales. Tout côté a bien pour rejoindre, pas un côté qui a prêté sans vous pas joindre. Pour nous finir, l'État a bon pour nous parler de affaires passeport avec les affaires pièces d'identité à $50. Ok, $50, il faut me dire que un rapport qui sorti. Moi, je demande pour un rapport ça pour le publier. Il y a deux rapports qui sorti. Un rapport Banque Centrale qui sorti qui dit mais $50, combien de vous recevez déjà depuis 2011 pour aujourd'hui, c'est $120 millions. Un deuxième rapport qui sorti qui dit. Là depuis 2011 qui ça vous fait avec lui rapport ça me connaît li public li année ça rapport ça li clair nous mettez 750 000 timoun l'école dans l'école l'état yo et gen 400 goud ou même dans diaspora ou payer pour chaque timoun ça yo chaque timoun ça yo gen 750 000 timoun qui l'école année ça et qu'on y a travail pour nous comment nous ka mettre l'autre 500 000 timoun qui retire parce que y a 500 000 timoun dans le pays qui poko kal l'école. N'ap travaille pour nous comment pour nous mettre une stratégie pour nous construire des salles de classe pour nous mettre l'autre 500 000 timoun sur l'école. Nous comptons sous concours nous comptons sous travail que nous toujours fait. M'vle parler de moun qui vivent à l'étranger dans le pays pour nous capables toujours continuer à faire même effort ça et puis effort qu'on a demandé pour transparence là ça moi même en pile et aujourd'hui m'a dit nous toute site institution publique yo nous pour communiquer tout consulat yo parce que nous avons 42 missions diplomatiques à travers le monde 42 missions diplomatiques ça pour aller tout site tout direction déconcentrée dans le pays, ministère, site primature, site tout côté, pour nous-mêmes, citoyens qui vivent dans la diaspora, qui vivent à l'étranger, pour nous en temps réel, nous monter sur Internet, là nous entendons des gomantiques sortis, bao, nos réseaux sociaux, nous allons sur Internet, nous allons regarder pour nous vérifier ça. Parce que, en principe, nous ne pas prêter, je nous dis, pour nous. Nous-mêmes encore, c'est nous-mêmes qui décidons pour nous casser le pays. Nous t'es aidé, mon président. Nous mettons, mon président. Parce que je me songeais, je me devine Spring Valley avec le président Matéli. Je me parle avec nous. Et je me promets. Et je me toujours dis nous que promettre ses dettes. Et ça, je me promets, c'est ce que je fais. C'est difficile pour moi de retirer sur route ça. Route changement, route côté, les oubliés de la République, moun qui ont été abandonnés, on a dit, depuis la colonie, parce que si nous sommes indépendants, nous avons un groupe pas indépendance pas de fait pour nous. Un groupe moun qui ont indépendance, chaîne, c'est un coule toujours dans le pied jusqu'à présent. Groupe moun ça aujourd'hui, moi dis, et eux-mêmes, ils ont voté en masse. Jodi a décidé de travailler pour eux. Faut prendre précaution pour pas quitter l'autre groupe qui est chaîne dans la tête aujourd'hui. Parce qu'il y a deux groupes. Mon autre groupe tout est chaîne dans la tête. Pour nous éviter ça, pour nous pas quitter des mondes qui est chaîne dans la tête pour des affaires de déstabilisation pour déstabiliser le pays. Parce que je me dédie dans la campagne. La stabilité politique est le premier des biens publics. Pas que pays sur la terre qui vivent sans stabilité politique. Là, nous vivons aux États-Unis, un président qui est élu,
tout le monde quitte le travail. Ça veut dire, courir ne doit pas d'accord avec ça l'a fait. Montez votre tel. Ou boire bal sanctionnant l'élection qui a venu. Mais là, si on président, le pouvoir l'a travaillé, ou pas d'accord avec ça l'a fait, c'est pour commencer à mener une campagne. Si vous n'êtes pas d'accord avec route m'a fait, ou pas d'accord avec courant m'a mis, ou pas d'accord avec l'eau m'a mis, ou pas d'accord avec voler m'a couru d'elle, tant de prochaines élections, dit peuple là, ou pas d'accord avec ça, c'est pour venir mettre un monde qui pas couru d'elle voler, c'est pour mettre un monde qui pas fait route, c'est pour mettre un monde qui pas voulu mettre lumière dans le pays, mettre un monde qui pas voulu mettre l'eau là-dedans. C'est ça pour faire. Ça veut dire aujourd'hui, nous clair, nous disons nous-mêmes, c'est là nous allons. Et même ministre là, il ministre qui l'a depuis le premier gouvernement. Et il y a un ministre qui l'a tout que je connais, par exemple, deux ministres qui me connaissent depuis avant, que je suis président. Le gouverneur de la Banque centrale là, nous sommes amis, nous te connaissons depuis avant le président. Il y a clair pour nous aujourd'hui que le pays ça. Route n'a pas pour nous mettre le soulier, même pour le difficile. Parfois, il n'y a pas de nous ça. Il y a un petit soulier. Parce que il y a des gens qui viennent demander au bureau faire, ils ne connaissent pas faire encore. Si on a fait hier, je dis qu'on ne pas faire. Ça veut dire, je dis à son pays, nous venons mettre, nous venons dire, mais qui bonne voilà avec lui. Nous venons dire, comme l'État, c'est pour nous aider à me demander nous ça. Parce que l'argent l'État, il n'est pas là pour faire travail pour yon moun. L'argent l'État, il est là pour faire travail pour tout le monde. Merci en plus.